Bonjour, aujourd'hui nous allons chez Fabienne Fabre, Unequal Creation. Comme vous le savez, je poursuis mon tour chez mes artisans et on va visiter son atelier. Elle vient tout juste d'aménager et on va voir ses superbes créations. Allez, suivez-moi! Bonjour! Bonjour Fabienne, comment bonjour, ça va? Monique, bienvenue! Merci! Merci de nous accueillir! Bonjour Loco, tu viens d'aménager? Oui, ça y est, on vient d'aménager, c'est super! Ça s'est bien passé? Oui, on a profité du confinement pour déménager. D'accord. Pour s'installer. Ouais, super. On va pouvoir voir tout ça. Ouais. Allez. Oui, tout à fait. C'était pas trop compliqué? Ça a été très compliqué, mais on y est arrivé. On y est arrivé. Écoute, est-ce que tu peux nous expliquer comment en es-tu arrivé là à faire ces pièces exceptionnelles et monumentales? Alors en fait, bon, ça fait 30 ans que je fais ce métier. J'ai beaucoup travaillé essentiellement en décoration intérieure, mais aussi à l'Opéra de Paris il y a plus de 20 ans. Et quand j'étais à l'opéra, j'étais peintre en décor sur costume, je faisais aussi des diadèmes et je voyais les spectacles et les décors. Et je me suis dit, quand j'ai vu les grandes toiles, parce que les décors d'opéra, ce sont des grandes toiles en fait, qui sont tendues, quand j'ai vu ces décors-là, je me suis dit, un jour, je ferai ça pour de la décoration d'intérieur. Je ne savais pas comment, mais un jour, je le ferai. Et 20 ans après, j'ai eu l'opportunité donc de faire des grandes toiles de décor qui me permettent de travailler en France en atelier, donc avec le confort quand même de l'atelier, et de pouvoir exporter mon travail partout dans le monde, parce que en fait mon travail est réalisé en atelier, enroulé. Oui, tu vas nous montrer ça tout à l'heure. D'accord. Est-ce que tu peux nous montrer la matière du canevas? Quels sont les avantages du canevas? Alors, donc, on travaille sur des grandes toiles de décor, des toiles de coton, donc des canevas, coton canevas. Donc, en fait, voilà, ça par exemple, c'est une toile de coton qui est tendue au mur, imprimée, donc elle est tendue, imprimée, apprêtée. Et ensuite, il y a facilement 4-5 couches de travail, de métallisation, de texture, de chaux, de béton. Qui sont juxtaposées les unes après les autres pour avoir un rendu comme une peinture, comme un artwork. Voilà, c'est un artwork à la taille d'un mur. D'un mur, d'accord. Donc tu n'es pas, je dirais, tu peux aller jusqu'à quelle taille, par exemple? Alors ici, on peut monter jusqu'à 3,60 m de hauteur, donc de hauteur, bien qu'on puisse travailler dans les deux sens. Là, on a 10 mètres. Et on est en train de, ici on va construire un autre mur de environ 8 mètres, donc ça nous fera 18 mètres, sachant qu'il y aura une coupure, mais nous on peut étudier les coupes dans la texture, donc on peut avoir des très grandes dimensions. Et les avantages par exemple du canevas, etc. Par exemple, quand tu expliquais tout à l'heure que tu le roules, etc., il n'y a pas de problème au niveau même des choses plutôt texturées, hein. Tu vas expliquer peut-être tout à l'heure comment tu fais les différentes étapes, ça ne bouge pas. Alors en fait, oui, on travaille avec des matières minérales dans lesquelles on met une résine flexible et on peut travailler des coupes facilement jusqu'à 0,5 mm d'épaisseur, quelque chose d'assez épais, hein, comme on peut le voir ici. On peut le voir là. Hein, avec une résine flexible, voilà, là aussi on a des reliefs. Et avec cette résine flexible, le béton devient flexible et donc on peut enrouler le travail sur des, voilà, alors on voit les rouleaux, on peut enrouler, alors on enroule quand même sur des diamètres de 20 cm, 20 ou 30 cm, ça dépend, pour pas que ce soit serré, hein, quand il y a de la texture. Et donc l'avantage c'est qu'on peut faire, on n'a pas de limite avec la création, on peut faire des choses très sophistiquées, très lisses, mais aussi très texturées, très brutes. Et on en
cool et on expédie partout dans le monde. Ouais. C'est super simple. Okay. Et justement, la question qui intéresse principalement les architectes décorateurs, comment on peut travailler avec eux? Qu'est-ce que tu as besoin pour mener à bien un projet avec eux? Alors, comme je le disais tout à l'heure, en fait, on est illimité au niveau de la créativité, puisque les couleurs, on les fait nous-mêmes, donc tout est... Donc tout est possible. Voilà. Toutes les couleurs. Tout est possible. Les textures, ça peut être très brut, très brillant, rugueux, super lisse, très gloss, classique. Ça peut être un trompe-l'œil très classique, comme quelque chose de complètement abstrait. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est en fait de créer le projet, la création unique pour le projet unique. C'est ça, d'où le nom Unique Creation. Donc du coup, tu as besoin de mood board, de couleurs, voilà. De dimensions. Alors voilà, l'idéal, ouais. C'est de nous envoyer les mood boards quand l'architecte a un projet et qu'il a envie de quelque chose d'un peu exceptionnel, complètement exclusif, sur mesure pour le client. Il nous envoie le mood board ou le maximum d'indications avec les dimensions, les plans, les élévations. Et nous, on peut faire des recherches pour créer la texture unique pour le projet. D'accord. Donc, à chaque fois, donc, tu peux préparer... Donc voilà, on prépare des boîtes voilà. D'échantillons format A5 où on a un panel d'échantillons que l'architecte nous fera une sélection, c'est-à-dire qu'en fonction du mood board ou en fonction de ce qu'il aura sélectionné sur le site, parce que on va dire sur que sur le site aussi, on peut s'inscrire, voilà. Et on a tout le référencement, pas tout, il n'y a pas tout parce que c'est infini, voilà, mais disons qu'il y a quand même beaucoup de choses sur le site. Je voudrais qu'on parle de ce chantier que l'on a actuellement sur Qatar, on ne pourra pas citer qui c'est. Juste pour que tu expliques aussi les différentes étapes, hein, parce que c'est pas juste une couche. Ah non, c'est voilà. beaucoup de travail. Alors explique-nous là. Alors là, en fait, on a 2,95 de le taille, c'est 2,95 sur 8,50 m. Donc là, il y a des grands morceaux et des petits morceaux. On a divisé la toile en fonction des morceaux dont le client avait besoin. Donc en fait la toile, là vous pouvez le voir, c'est une bonne de coton donc qui est tendue, apprêtée, imprimée, ensuite il y a un enduit dessus pour la rendre lisse, après il y a une couche de fond, après il y a des couches de nacre, après il y a une couche d'impression, c'est ce qui donne cet aspect irrégulier. Et en même temps l'avantage aussi par rapport à un simple papier peint, c'est que c'est pas repeat. Voilà. La lumière est importante, n'est-ce pas? La lumière est super importante. Ouais. La lumière est super importante. Et ce qui est intéressant, c'est que suivant la lumière, suivant le moment de la journée, et suivant comment on sortit, on regarde, comme ça, ouais. De face, c'est complètement changé. Voilà. Ouais. C'est complètement changeant. Ouais. C'est vraiment un univers qui ouais. change et qui est vivant. D'accord. Et combien de temps à peu près, j'imagine, par rapport où il y a une période de séchage, donc comme il y a différentes étapes, ça prend combien de temps à peu près pour donner un ordre d'idée? Alors on va dire une toile comme ça de 8 mètres, de 8 mètres sur 3, il faut monter à peu près 3 semaines. D'accord, oui, ce qui est quand même... Et là après, donc là je vois qu'il y a certains rôles pour partir. Voilà, donc ensuite après on enroule les toiles, on les conditionne, donc on les protège avec du papier de bulle, elles ont une housse de papier de bulle et après elles sont conditionnées dans les rouleaux là que vous voyez ici. Voilà. Ah, okay. Et puis c'est fermé, scellé avec des bouchons. Donc c'est simple, facile. C'est ça. Et par rapport aussi à l'installation, c'est relativement, c'est pas très lourd. Voilà, c'est pas très lourd, hein, à différence d'un matériau comme la pierre. Tout à fait. C'est pas très lourd, c'est complètement souple. Donc ça peut être appliqué sur des pièces, sur des murs qui sont courbes, sur des vagues. Ça peut être gainé même sur des meubles ou sur des, sur des angles en fait, un rentrant ou sortant. Ouais, ouais. Et l'autre question importante aussi pour assurer l'architecte, c'est aussi par rapport à la pose. Oui. Hein, c'est relativement simple, on peut le dire. Voilà. Du papier peint. Voilà, en fait, la pose, c'est comme une moquette murale, en fait. Hein.
Il faut graisser le mur avec, donc c'est une colle à base de water-based, donc sans solvant bien sûr, et qu'il faut graisser le mur, dérouler, appliquer, éviter les bulles, bien comme un papier peint. Le mur doit être propre aussi. Bien entendu, le mur doit être lisse, propre, dépoussiéré, comme un papier peint. J'ai oublié de te poser la question, tes références, tu as de grandes références avec de grands décorateurs dans le monde entier, notamment la plus grande avec les boutiques Louis Vuitton. Voilà, les boutiques Louis Vuitton, Peter Marino, on a travaillé pour Rolls-Royce aussi, pour Bernucci, donc c'est vrai que c'est quand même des marques qui sont... Des grands décos du monde entier aussi. Hein. Voilà. Là, les perspectives, c'est qu'on a mis au point nos textures de façon un peu plus light et un peu plus simple, donc un petit peu moins cher, sur des papiers peints en fibre de verre. Font soit 1 mètre de large, soit 2,40 mètres de large. Donc ça reste grand quand même. Ça reste des grands formats, donc il y a très peu de coupes. Ouais. Et c'est un peu plus, on va dire, le rendu est quasiment le même que le canvas. Ouais, tout à fait. Mais c'est un petit peu plus simple et moins cher. Ouais, et moins cher. Donc on fait en sorte de s'adapter au budget, parce qu'on sait que le budget, c'est ce qui est important, c'est d'avoir le budget préalablement du décorateur pour pouvoir... On trouve des solutions, on arrive toujours à trouver des solutions, et toujours avec un rendu super. Hein, identique, quoi, on peut dire. Tu m'as parlé aussi que tu travaillais sur une norme, pour répondre à d'autres... Voilà. Donc en fait, on a beaucoup de demandes aussi pour des yachts, et certains pays aussi, notamment la Russie et le Japon, qui demandent des normes IMO, qui est donc la norme la plus élevée de anti-feu, c'est-à-dire que c'est résistant pendant une heure à 1000 degrés. À 1000 degrés, donc ça demande tout un process et des tests et des certifications, c'est assez compliqué. On a commencé à faire toute la partie test et c'est concluant, donc ça c'est la bonne nouvelle, donc on va pouvoir faire. Et là, on est en train de continuer à travailler là-dessus aussi, parce que c'est très onéreux, donc on est en train de réunir des fonds pour avoir, j'espère, d'ici la fin de l'année, la certification IMO. Et aussi, tu fais des artworks, puisqu'on a envoyé un artwork pour un grand décorateur du golf, qui a une idée, tu as travaillé, tu peux aussi développer. Voilà, donc en partenariat avec, bien entendu, avec le décorateur, on a élaboré un artwork. Donc on l'a élaboré conceptuellement et puis nous dans l'atelier on l'a réalisé concrètement et on s'est régalé à faire ce chaque ce fois travail. C'est unique chaque fois c'est toujours unique. Et sur mesure et on s'intègre à un projet unique, c'est le doux unique creation. D'accord, merci Fabienne pour ce merci Dominique, content d'être là. Merci.